qu'est-ce qui t'arrive, Rex? Arrête ton cinéma, y a rien du tout. C'est sûrement un chat qui traîne, tu veux pas l'oublier, venir manger? Rex, y a rien du tout, je te dis. Oui? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais faire ses connaissances. Hein? Alors voilà Rex. Rex, je te présente notre nouveau collègue, Brantner. Salut toi. L'horreur et moi on dort ici à tour de rôle une fois sur deux. Mais à long terme, c'est pas une solution. La maison doit être libérée avant la fin du mois. On sait plus quoi faire de lui. Il dort à peine. Il tourne en rond dans la maison toutes les nuits. Enfin, de temps en temps, il remue quand même un peu la queue. Remuer la queue n'est pas forcément un signe de joie. Cela peut exprimer le stress ou un sentiment d'insécurité. Il veut plus aller se promener non plus. Ou alors pas longtemps. Et puis il ne faut pas qu'on s'éloigne trop de la maison. C'est la première fois depuis très longtemps que je vois Rex avoir envie de jouer comme ça. Rex! Arrête, Rex, tu vas lui abîmer ses chaussures. Tu sais combien ça coûte des chaussures comme ça? Non, c'est rien du tout. Il veut me dire quelque chose. Mais quoi donc? Il pense que si je n'ai plus mes chaussures aux pieds, alors je ne pourrai plus m'en aller. Dis donc, t'as l'air de vachement t'y connaître en chien. Tu sais, ce qui serait vraiment bien, ce serait que Rex puisse enfin dormir une nuit complète. Viens par là. Allez, approche. Viens revoir. Tu veux rester ici avec lui pour dormir? Oui. Je préfère être là si jamais il se réveille. D'accord. Bon, bonne nuit alors.
Est-ce que je pourrais récupérer mes chaussures, s'il te plaît? Merci, Rex. Bien. Maintenant, on va aller faire une promenade matinale. Ça nous réveillera. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. J'ai un truc à te montrer. Tu viens? Viens. C'est pas vrai, t'arrêtes jamais, toi. Bon, vas-y, donne la balle. Donne la balle, laisse-la tomber.